Prière du matin. Seigneur, merci pour ce nouveau jour et pour ta miséricorde et ta grâce. Puisses-tu me donner de la force dans ma faiblesse et me relever lorsque j'échoue. Merci pour ta présence et tes guidances constantes. Amen. Si vous aimez Dieu et n'avez pas honte de lui, veuillez laisser. Amen. Salut. Laisse Dieu transformer ta vie dès maintenant. Dieu dit, pour que la prière soit efficace, alors elle doit être basée sur ta lecture des paroles de Dieu. Ce n'est qu'en priant au milieu des paroles de Dieu que l'on peut recevoir plus d'éclairage et d'illumination. Une vraie prière est démontrée par le fait d'avoir un cœur qui aspire à toutes les exigences de Dieu et désire en plus remplir ses exigences, le fait de haïr tout ce que Dieu est, puis, sur cette base, le fait d'en acquérir une certaine compréhension et d'avoir une certaine connaissance et clarté concernant les vérités expliquées par Dieu. S'il y a de la résolution, de la foi, de la connaissance et un chemin de pratique qui suit la prière, alors seulement on peut appeler cela une vraie prière et seul ce type de prière peut être efficace. Clique sur le lien WhatsApp et étudie comment prier véritablement pour être béni par Dieu. Que ceux qui lisent ce message et écrivent « Amen » soient libérés de toute douleur et de tout souci, et qu'ils reçoivent la paix et la joie de Dieu. Tapez « Amen » et des miracles se produiront dans votre vie. Attends. Ces paroles de Dieu sont pour toi. Dieu dit, une personne qui est vraiment capable d'être apaisée en présence de Dieu peut se libérer de tous les liens du monde et peut être possédée par Dieu. Tous les gens qui ne sont pas capables d'être apaisés en sa présence sont assurément dissolus et effrénés. Tous ceux qui sont capables d'être apaisés devant lui sont des gens pieux devant Dieu, des gens qui aspirent à Dieu. Seuls ceux qui sont apaisés devant Dieu attachent de l'importance à la vie, à l'échange dans l'esprit, ont soif des paroles de Dieu et recherchent la vérité. Clique sur le lien WhatsApp et reçois la bonne nouvelle du Seigneur. Que Dieu t'aide quand tu es en difficulté, t'encourage quand tu échoues, te pardonne quand tu fais des erreurs, t'éclaire quand tu es confus et te réconforte quand tu es dans la douleur. Disons ensemble « Amen » pour recevoir la bénédiction de Dieu. Attention! Cette vidéo est un cadeau de Dieu pour toi. Dieu dit, c'est très simple maintenant, que ton cœur espère en moi et ton esprit deviendra immédiatement fort. Tu auras un chemin à pratiquer et je guiderai chacun de tes pas. Ma parole te sera révélée en tout temps et en tout lieu. Quel que soit le lieu et le moment, ou à quel point l'environnement est défavorable, je te ferai voir clairement et mon cœur te sera révélé si le tien espère en moi, de cette façon, tu courras sur la route devant toi et ne perdras jamais ton chemin. Clique sur le lien WhatsApp et cherche la guidance et l'aide de Dieu. Prière du matin. Seigneur, merci pour ce nouveau jour et pour ta miséricorde et ta grâce. Puisses-tu me donner de la force dans ma faiblesse et me relever lorsque j'échoue. Merci pour ta présence et tes guidances constantes. Amen. Si vous aimez Dieu et n'avez pas honte de lui, veuillez laisser. Amen. Salut. Laisse Dieu transformer ta vie dès maintenant. Dieu dit, pour que la prière soit efficace, alors elle doit être basée sur ta lecture des paroles de Dieu. Ce n'est qu'en priant au milieu des paroles de Dieu que l'on peut recevoir plus d'éclairage et d'illumination. Une vraie prière est démontrée par le fait d'avoir un cœur qui aspire à toutes les exigences de Dieu et désire en plus remplir ses exigences, le fait de haïr tout ce que Dieu est, puis, sur cette base, le fait d'en acquérir une certaine compréhension et d'avoir une certaine connaissance et clarté concernant les vérités expliquées par Dieu. S'il y a de la résolution, de la foi, de la connaissance et un chemin de pratique qui suit la prière, alors seulement on peut appeler cela une vraie prière et seul ce type de prière peut être efficace. Clique sur le lien WhatsApp et étudie comment prier véritablement pour être béni par Dieu. Que ceux qui lisent ce message et écrivent « Amen » soient libérés de toute douleur et de tout souci, et qu'ils reçoivent la paix et la joie de Dieu. Tapez « Amen » et des miracles se produiront dans votre vie. Attends.
Ces paroles de Dieu sont pour toi. Dieu dit, une personne qui est vraiment capable d'être apaisée en présence de Dieu peut se libérer de tous les liens du monde et peut être possédée par Dieu. Tous les gens qui ne sont pas capables d'être apaisés en sa présence sont assurément dissolus et effrénés. Tous ceux qui sont capables d'être apaisés devant lui sont des gens pieux devant Dieu, des gens qui aspirent à Dieu. Seuls ceux qui sont apaisés devant Dieu attachent de l'importance à la vie, à l'échange dans l'esprit, ont soif des paroles de Dieu et recherchent la vérité. Clique sur le lien WhatsApp et reçois la bonne nouvelle du Seigneur. Que Dieu t'aide quand tu es en difficulté, t'encourage quand tu échoues, te pardonne quand tu fais des erreurs, t'éclaire quand tu es confus, et te réconforte quand tu es dans la douleur. Disons ensemble « Amen » pour recevoir la bénédiction de Dieu. Attention! Cette vidéo est un cadeau de Dieu pour toi. Dieu dit, c'est très simple maintenant, que ton cœur espère en moi et ton esprit deviendra immédiatement fort. Tu auras un chemin à pratiquer et je guiderai chacun de tes pas. Ma parole te sera révélée en tout temps et en tout lieu. Quel que soit le lieu et le moment, ou à quel point l'environnement est défavorable, je te ferai voir clairement et mon cœur te sera révélé si le tien espère en moi, de cette façon, tu courras sur la route devant toi et ne perdras jamais ton chemin. Clique sur le lien WhatsApp et cherche la guidance et l'aide de Dieu.